Salut à tous et salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc du gaming encore une fois comme vous le saviez. Donc on va sortir un petit peu de la base. Un creeper juste en face, yes, alors ça commence super bien, on aime. On rentre direct, on cherche pas à comprendre, on est plus là. Voilà, salut. Alors, là il n'y a pas de risque à prendre. Alors on avait dit qu'on pouvait aller miner. Tac. Et on voulait voilà, être full stuff en argent pour sortir sans crainte, sans qu'un creeper nous fasse une blague. Il me manque un pantalon et un veston. Alors, le veston, je pense qu'avec celui-là, je peux le faire. C'est très bien. Donc il me manque pas beaucoup de fer. Par contre il y a un bouclier, j'ai vu. C'est quoi ce bouclier? Non pas toi, non je vais pas aller. J'ai pas envie d'arrêter la capture non. Le bouclier, par contre j'ignore complètement comment on craft un bouclier. Alors là s'il y en a qui le savent, ça me plairait bien que vous me dites. Parce que je vous avoue, je n'ai aucune idée comment crafter un bouclier. J'ai joué dans les anciennes versions de Minecraft et c'est vrai qu'il y a eu énormément de mises à jour. Bah donc ça c'est super parce que c'est vrai que ça en avait besoin. Mais du coup je suis pas super bien informé. Ah mince. Bah du coup dis-moi dans les commentaires à quoi sert un bouclier et comment on la craft surtout. De la redstone, alors la redstone c'est pas super utile pour le moment. À moins que là il y ait des mises à jour qui servent plus. Mais moi dans ce que j'ai connu, la redstone ça servait uniquement à en foutre du gravier, la flemme. Ça servait uniquement à faire des conduits électriques, des choses comme ça. Rien de bien fou. Et on est parti pour une séance de minage optimisé à la recherche potentiellement de fer ou de diamant, évidemment. S'il y a un petit diamant qui traîne, on dira pas non, hein, on n'est pas compliqué. Mais ça peut être sympa de trouver un super diamant bien agréable à retrouver. Bon, j'avoue que c'est vide. C'est pas grand chose. Il y a beaucoup de cailloux. Ça en aime. Ça, le caillou, c'est très agréable d'en trouver. Mais bon, malheureusement, on s'en fout un peu. On serait bien tombé sur du fer. Alors, il nous faudrait quoi? 4 fer, pas plus. 3-4 fer. Pour finir notre armure et potentiellement aller chercher donc un mouton pour faire des lits et commencer à trouver une base où l'on va pouvoir commencer à s'y installer parce que vivre dans les grottes c'est un peu relou quand même. À moins qu'on fasse notre base ici, c'est une bonne idée. Alors je récupère les pierres parce que je vais en avoir besoin pour faire ma maison. Alors la pierre c'est pas l'élément le plus costaud, c'est sûr, mais c'est l'élément le plus nombreux. Donc pour commencer notre maison sera en pierre. Ça pourrait être sympa de découvrir. Chose par ici. Ouais. Y a pas grand chose. Tac. De l'or. Oh. De l'or. Ok. De l'or. Alors, pourquoi pas? Ça peut nous servir à faire des boussoles. Ça peut nous servir à faire une pomme en or pour enchanter. Ça va nous servir à pas mal de trucs. Et puis au pire, si on n'a pas de fer, on pourra toujours en faire des. Ah non. Du lapis-lazuli. De la redstone. Non, y'a rien. Ok. Tac. On va
Non. Du coup, ça on le casse et on va continuer notre expédition. Bon, sinon, on se prend pas la tête, on fait un pantalon en or. Bon, ça tient pas bien. C'est vrai que le pantalon en or ne tient pas super bien, mais bon, au moins, c'est fait. Oh, du fer, ah, oh, voilà, c'est parfait. J'ai failli passer à côté de fer. C'est parfait. 5 or au cas où. 6 or, c'est parfait les amis, on a tout. On a tout ce qu'il nous faut. On a une petite torche quand même ici au cas où. C'est parfait ça. C'est parfait. Allez go, on y va. Le marchand, lui il est là. Bon, pas de bestiole à la vue, c'est super. Les graines, on les reprend. Tac, tac, mince. Je casse à moitié de mon potager. Quatre graines, alors.
mettre ça là et on va mettre de l'or. Tac. Comme ça c'est fait, on va attendre que tout se finisse bien pour pouvoir y aller. Et on va laisser notre truc, on va dire que c'est notre QG de secours ici, d'accord? C'est vrai qu'ici ça nous a bien aidé. Mais bon, maintenant il est temps de s'envoler de nos propres ailes. En espérant pas mourir. Ce sera encore mieux. Là, on n'a plus rien. Et hop là. On va juste se crafter maintenant un magnifique pantalon. Tac. Ah super. Et là on est full stuff. Normalement. On est full stuff. Ah, il manque le bouclier, mais le bouclier, je n'ai aucune idée de comment ça se crée. C'est dommage. Ah, attends, c'est pas écrit par hasard. Est-ce que c'est pas écrit bouclier? Non, il n'y a pas de bouclier. Mais pourquoi il y a un... C'est bizarre ça. Ok, bon, c'est pas très grave. Et si on mangeait un peu quand même un jour? Ça peut être sympa. Se nourrir parce que maintenant oui on est full bouffe. Ok, très bien. Alors là on va s'équiper maintenant parce que là ça va commencer à envoyer du pâté. C'est moi qui vous le dis. Allez, on part bientôt. On part bientôt, on va prendre toutes les ressources nécessaires qu'on a besoin et on va s'en aller le plus loin possible. Oh non, c'est la nuit. Non, non, en fait, non, on va pas partir très loin pour le moment. Dès que le jour va se lever, on partira. Dès que le jour va se lever. Ou alors on était guerriers. Après, on était guerriers, nous, quand même. On a peur de rien. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est de ne pas mourir. C'est risqué si on part maintenant. Le charbon, on le prend. 50 charbons, on va pas dire non. Hein. Faut pas l'oublier. Voilà. Le four, on peut le laisser là. Les torches, on va les laisser là. Est-ce que. Vas-y, on part maintenant, quoi. J'ai peur. Putain, me fait plus de frayeur. Est-ce qu'il y en a de la place? On a plus de place. J'ai peur. Casse-toi là. J'ai peur. On va rester comme ça. Faut que je fasse de la place. Faut que je fasse de la place. Ah, ce pouce, je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce que. Un autre truc que je pourrais me débarrasser. Bon, vas-y, ce charbon là. Tac. Ce charbon, je vais mettre dedans. Voilà. C'est pour le fun, on va dire. Ok, nous sortons. Allez, c'est parti. Tout ce moment de farming pour cet instant précis. On récupère tout le blé. On récupère tout. On cherche pas à comprendre. J'ai très peur. J'ai peur. Je croyais que c'était une araignée qui me sautait dessus. Vite, vite, vite. Hein. C'est pas bon de stack de la main droite la nuit parce que on n'est jamais à l'abri d'une bestiole qui vient. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 32. Ok, 32, c'est très très bien. Bon les amis, est-ce que vous souhaitez qu'on commence à créer peur de partout, à bouger? Alors on avait dit qu'il fallait qu'on commence à rechercher des moutons. Alors c'est parti, on part à la recherche. Au revoir petit endroit qui nous a apporté tant de bonheur. Et maintenant on part à la recherche de moutons. C'est parti. Oh, il y a des creepers de partout. Une araignée, un creeper. Ça va être compliqué. Oh, deux araignées. Ok. Un zombie, d'accord. Ok, très bien. Pour l'instant, tout va bien.
Ce que je vais faire, c'est que je vais me reculer un petit peu. Je vais utiliser ça pour, voilà, me protéger un grand peu. Ok, en fait, on va laisser que la nuit passe parce que c'est hyper dangereux. C'est vraiment méga trop dangereux. Trop dangereux. Bon, les amis, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On va laisser ce suspense et ce stress envahir notre conscience. Et moi, je vous dis à très vite.